Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous y étiez monsieur ? Oui petite, j'y étais. Vraiment quand tout a basculé ? Exactement. Quand le cours de l'histoire a changé. Monsieur, 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 monsieur. Doucement, 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 doucement. Pour bien comprendre, il faut remonter aux origines de Bessancourt. À quand remonte ce phénomène ? On ne sait pas trop. À la préhistoire, peut-être. Il semblerait que déjà, à l'époque... Mais, bref. Bessancourt était une ville maraîchère, avec son parvis de l'église, ses fontaines, son lavoir, tari. Ses champs, ses jardins familiaux, desséchés. Il n'y avait plus rien sur les devantures et sur les étalages, car la pluie avait arrêté de tomber. Des années et des années de canicule. Les habitants allaient chercher de l'eau à des kilomètres d'ici. Les nuages passaient au-dessus de la ville sans jamais éclater. Grand désespoir. Pendant la guerre de 14-18, sur les carnets de mon grand-père, les chevaux et les soldats étaient embourbés dans les tranchées. Mais à Bessancourt, il n'y avait pas une flaque d'eau. Oui. Hé, regardez, il y a des soldats qui arrivent. Vous avez de l'eau ? Mon arrière-grand-mère, elle était résistante. Elle m'a aussi parlé de l'eau qu'il manquait pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu as raison. Entre 1939 et 1945, la population manquait de nourriture dans tout le pays. Mais à Bessancourt, c'est du manque d'eau dont on souffrait. Oui, et je crois que les Allemands arrivent aussi. Hé, hey Louis, t'as rien à voir ? Non, rien. Non, mais t'es sûr ? Parce que j'ai vraiment soif. Hein. Non, rien. Mais t'es sûr ? Oui, c'est vrai. Allez les gars, décrochez-moi cette saloperie, mettez-la moi à terre. On veut plus la voir ici, plus jamais. Allez, allez. La libération a eu lieu ici, avant partout ailleurs, car les Allemands ne supportaient pas la canicule. Ça va ? Ouais, ouais, et toi ? Ouais, c'est bien. Non ? Heureusement. Ouais. Tu savais qu'ils ont fusillé les fidèles. Ouais, ils étaient dans la résistance. Hé, hey, ça va ? Ouais, et toi ? Non, tu m'as manqué. Eh bien, toi aussi. T'as pas de l'eau, s'il te plaît ? Non, j'ai plus une bouteille. Et toi, t'as pas de l'eau ? Non, je suis désolée. Non. Ouais !
Dans les années 70, on construisit le quartier des Brossé-Mallet, mais cela prit beaucoup de temps, car il n'y avait plus d'eau pour le ciment. Ça va vous paraître étrange, mais dans les écoles, une des matières enseignées, c'était la pluie. À quoi ça ressemblait la pluie, maîtresse? Alors, la pluie, on dit que ça tombait du ciel, parfois soudainement. Il y avait des pluies fines, des pluies battantes, d'autres qui rafraîchissaient, et puis encore d'autres qui trempaient. On dit que ça ruisselait sur le visage. Regardez, je vais vous montrer. La pluie, ça fait, c'est la pluie, maîtresse. Regardez. Dans la ville, tous les adultes démissionnaient. La situation devenait critique. Oui. Le déluge n'arrivera jamais. Et nous sommes tous des pêcheurs, mais repentez-vous. Repentez-vous avant que votre corps ne dessèche. Il faut appeler la pluie, prier les cieux, que la pluie tombe. Oh, la pluie, Seigneur! Tu vas servir. On va s'ouvrir bientôt. Les enfants, dès leur plus jeune âge, étaient réquisitionnés pour des expériences ridicules. Ce sont les enfants qui réagirent en premier. Ils voulaient changer les choses. Un conseil de jeunes se réunit en séance extraordinaire. Il fut décidé d'envoyer des jeunes scientifiques à travers le monde pour essayer de comprendre et d'enrayer le phénomène. Les taxis doivent aller dans tous les hivers. Oh, on a une mission importante. Vous savez quoi? Il faut qu'on cherche de l'eau dans le désert. Mais Nathan, il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais quand même, faut continuer, hein. Venez, on regarde dehors. Oh, une piscine. Mais quelle piscine? Ta piscine, c'est de la boue. On va pas ramener de la boue à Bessancourt. J'ai soif, je veux rentrer. On peut s'arrêter. Tiens, c'est tout ce qui reste. C'est pas juste, tu partages pas. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous indiquer le village de Machakwali? Ok, merci monsieur le chamelier. Tant qu'on trouve pas de l'eau, on reste ici. Tiens, peut-être tu vas trouver ça dans le livre. Tiens, chauffeur, tout droit. Qui est pour qu'on rentre? Moi! Bon, d'accord, on rentre. Écoutez-moi tout le monde, dans quelques secondes, on va plonger. Accrochez-vous bien. Vous êtes prêts? Oui. J'espère qu'on va ramener des informations pour mes cours. Oui, et j'espère qu'on va réussir à parler aux poissons. Oh, regardez, il y a un requin baleine! Yo, requin baleine! Tu sais que t'es beau, toi?
comprenez? Oh, des méduses! Oh, il y en a aussi là et là. Laura, ouais. Essaye de parler aux méduses. Mais n'importe quoi, vous savez même pas parler aux méduses. Je comprends pas. Bah, essaye toi alors. Moi? Non, Abby. Regardez, on n'est pas là pour regarder les poissons. Oh, mais regardez sur la carte, ils nous disent qu'on est déjà arrivé. Regardez, on est en plein cœur de Londres. Ouais, ah oui. Mais regarde sur le guide, c'est marqué à Londres, ville pluvieuse et humide. Et regarde le ciel. Ouais, ça. Oh, bah bien. C'est bizarre. In America, okay, by me in America. Everything free in America, always more free in America. Mais non, on n'est pas en Amérique, on est en Angleterre. Ah oui, faut qu'on apprenne l'anglais quand même, faut qu'on dise un peu des mots en anglais. On est à Londres quand même. Oh, regardez le temps dehors. Ah là là, j'ai chaud là. J'ai plus chaud. Oh là là, j'ai plus chaud. Il faudrait plutôt qu'on révise les mots qui ont un rapport avec la pluie. La pluie, c'est rain. L'eau, c'est water. L'orage, c'est storm. Storm. Il faut qu'on aille voir le réalisateur de Chantons sur la pluie. Mais il est où? Derrière Big Ben. Les nuages, c'est cloud. Les gouttes, c'est drop. Il faut qu'on le voit. On l'a raté à New York. C'est notre dernière chance. T'inquiète pas, je connais cette ville comme ma poche. D'ailleurs, qui a un téléphone? Pour dire qu'à Londres, il pleut pas, et c'est tout ensoleillé. Qui a un téléphone? Pas moi. Pas du tout. Oh, bonjour l'organisation. J'ai une idée. On n'a qu'à chercher une cabine téléphonique. Ah, bonne question. Qui a un livre sterling par contre? Moi j'en ai une. Bon ben bah maintenant cherchons la cabine téléphonique. Ouais. J'en trouve pas. Là-bas, arrête-toi, vite. Attention, je freine. La prochaine fois, va doucement, s'il te plaît. Allô, Bessancourt. Allô. Pourquoi ça marche pas? Allô, Londres. Comment ça va? Bah, pas très bien. Il fait presque aussi chaud à Londres qu'à Bessancourt. Ça se passe bien? Bah, pas trop. On leur a demandé, mais ils peuvent rien faire. S'il vous plaît, où est-ce que vous allez? J'espère qu'ils vont nous croire. Moi aussi. Où est-ce que vous allez? Vous faites quoi comme programme? Bah, je pense qu'on va repartir, on n'a plus rien à faire. On va se mettre à Londres. Venez voir vite! Venez voir! Qu'est-ce qui se passe? Dans notre ville de Bessancourt, il y a beaucoup de musiciens. Si
si un contre-truite est capable de faire éclater un verre, nous pourrions envisager un grand concert. On s'y met tous ensemble et le prochain nuage qui passe, si chacun donne ce qu'il peut, bah on le fait péter. Dépêchez-vous, ils nous attendent. Ils sont nombreux ? Plein. À chaque instant, chaque seconde, aux quatre coins du monde, il y a toujours un enfant qui rêve et qui attend. Je sais, nous allons faire Kumbaya My Lord, un gospel africain. Je suis sûr que les esprits africains peuvent nous aider à faire tomber la pluie. Allez, on se lève, on y va. Vous êtes prêtes? Prêts? Kumbaya! Kumbaya! Bye.
enfants. Et de l'envie. Oui, mais il manque quelque chose. Ben quoi ? Je sais. Il manque Bébert. Bébert ? T'es sûr ? Oh non, pas Bébert. Oui, Bébert. La pluie fait Je ne veux pas y aller. Je veux écouter ma musique, c'est tout. Bébert, on a besoin de vous. Mais je veux écouter. La pluie fait des claquettes. Ça fait 10 ans que vous écoutez le même morceau. Je veux écouter la pluie. Voilà, c'est tout. Oh, mais... Mais Bébert, on va la faire pour de vrai, la pluie. Vous savez bien que c'est pas possible. C'est pas possible. Laissez-moi tranquille. Je veux écouter la pluie. Bon. Chantez-lui sa chanson, sinon on va jamais y arriver. 3, 4. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, la pluie fait des Margot là-bas. Ça, c'est un. C'est un quoi? Où est-ce que vous regardez? Un nuage! Un nuage, mais il faut prévenir! Venez, venez! Alors, en avant la musique. La pluie, on va la faire tomber.
Allez, mettez-vous en place! Et vite! Vous les cuivres, ralentissez-moi ce gros sac! Allez, soufflez! Soufflez! Tu crois que tu sers à quelque chose? Je fais ma part, comme tout le monde. Bah, les cordes, qu'est-ce que vous fichez? Bah, il tombe des cordes. Bon, les percussions, allez, travaillez-le aux cordes. Passez-le dans les cordes! Allez! Box, box, box! Allez, plus fort, plus fort, plus fort! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui! Musique! Au revoir. Au revoir. Maîtresse, c'est vrai ce qu'ils viennent nous raconter? Ça n'a pas été trop long?
Oh non. Et toi, ça s'est bien passé? Très bien. On y va?